I am. And he's here, you know. I'm so grateful. Thank you, Dirk. Thank you. Feel free to grab a seat as well. So Dirk will be facilitating and hosting the conversation rather, and I'm available. Dirk, feeling comfortable, ready to move? How do you want to do this? Are you going to host the conversation in French? Okay. So Dirk is going to host the conversation in French. Keep your earphones on. What might be useful, what I generally do is I have one, it's like a DJ vibe. I have one on one ear and one off. You know, you can have it up here just or here or something so that when he's speaking, you can hear it. And when we're speaking English for the English speaking, you can take it off. Okay, fantastic. And you have your own set for you, close. Okay, yes. Great. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bon après-midi, après le repas, j'imagine qu'on est très frais, on a beaucoup d'énergie et nous allons passer un bon moment d'échange autour d'un thème très important qui nous concerne tous, la question de la démocratie et de la politique. Et nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui Tama Tawanda et Nerima qui vont échanger avec nous autour de ces thèmes. Mais davantage, c'est un moment pour pouvoir vous donner la parole et échanger et partager ensemble quels sont nos ressentis, quels sont nos sentiments par rapport à ces valeurs de démocratie et la politique dans nos pays, dans nos régions, et comment nous-mêmes, en tant qu'acteurs de changement, nous interagissons avec cette réalité. Tout d'abord, avant de vous donner la parole, je voulais juste faire remarquer une chose, c'est que de manière classique, on dit que la démocratie, c'est le pouvoir par le peuple et que la population est souveraine parce que c'est elle qui doit définir ses politiques. Et de manière globale, on dit que la démocratie est basée sur la souveraineté du peuple, le choix des dirigeants, mais aussi le respect des droits fondamentaux des citoyens, la liberté d'expression, la liberté d'association, et enfin, la possibilité de la coexistence de plusieurs partis politiques ou alors des acteurs politiques. Et je suis avec vous en train de me questionner si vous avez l'impression que ce mot, ce concept de démocratie, est ce que vous vivez vous-même dans vos pays, ou que derrière ce mot démocratie, nous sommes dans un contexte tout différent. En sachant que, comme quelqu'un l'a dit aujourd'hui, certains pays peuvent être taxés de démocratie par certains pouvoirs occidentaux, sans que pour autant il y ait réellement d'alternative dans ce pays-là, et autant que ceux qui ont aussi des démocraties où il y a de l'alternance ne symbolisent pas forcément ces valeurs de démocratie qu'on vient de citer, ça veut dire le respect de la volonté de la population vis-à-vis de ses dirigeants. Et je voulais vous donner la parole, effectivement, pour que, avant de commencer et de donner le temps de réagir à Nerima et nos co-hosts, parce que nous voulons avoir votre ressenti. Comment pouvez-vous, à ce jour, avec l'expérience que nous avons connue, que ce soit au Burkina Faso, aujourd'hui au Sénégal, en RDC, dans beaucoup de pays où l'alternance démocratique, ça veut dire les élections, n'ont pas toujours été la voie par laquelle on a pu réaliser le choix des dirigeants qu'on voulait. Autant que la révolution qu'on a vue au Burkina Faso ou alors dans d'autres pays, même au Sénégal, aujourd'hui est contestée par des dirigeants qui, malheureusement, ne sont pas capables de redonner à la population le pouvoir qui est le sien, celui de définir avec eux l'avenir qu'ils veulent voir dans leur pays. Et donc, la question fondamentale, c'est nous qui faisons de la démocratie une valeur de notre propre engagement. Chacun de nous ici, je pense, est un acteur qui veut voir des valeurs démocratiques s'instaurer dans son pays, et en particulier une contribution de la population, lui-même en tant qu'acteur, au changement positif, à l'égalité, à la dignité des citoyens, à la justice sociale, à l'équité. Parfois même nos valeurs panafricaines ne sont pas prises en compte par nos propres dirigeants. On va faire peut-être
un petit tour de 5 minutes, 5 ou 6 personnes, s'ils peuvent intervenir, pour partager leur point de vue sur cette question. Que comprenons-nous à ce jour par ces valeurs des démocraties? Existe-t-il une démocratie à l'africaine? Devons-nous repenser la démocratie? Quel est notre niveau de souveraineté, nous, en tant qu'acteurs de changement? Comment impliquer pour que cela, notre pouvoir de changeur, d'acteur de changement, puisse être un pouvoir réel, capable d'imprimer nos choix et nos décisions sur nos dirigeants? Et enfin, comment, ensemble, comme nous sommes ici, ce combat commun que nous partageons autour des valeurs de dignité, des valeurs de justice et d'équité, qui englobent les questions économiques, comme on l'a dit encore le matin, qui englobent les questions de souveraineté, comme on a dit sur les questions de monnaie, d'économie, qui englobent aussi les questions d'identité, parce que nous avons parlé aussi de notre histoire, d'où est-ce que nous venons, est-ce que ces valeurs démocratiques, nous les partageons et sommes en mesure d'en faire un combat commun. Alors, je vais accorder la parole à qui veut pour que, au travers de vos interventions, nous puissions aussi donner la parole à nos intervenants tout à l'heure. Voilà. Oui, il y a quelqu'un qui demande la parole derrière. OK, there's a hand over there. Yeah. I think you can keep your headphone on because I will be speaking in French. Okay, keep the headphones on. No need to switch it. Ce que je voulais aujourd'hui mettre en relief, c'est un fait. La démocratie que vous parlez demeure un luxe pour la plupart des Africains. Au moment où certains Africains ont le privilège d'élire ou de se faire élire, il y a une frange très importante de l'Afrique ou des Africains qui n'ont pas cette possibilité. Nous pensons toujours des élections, tout en oubliant qu'il y a parmi nous des frères et des sœurs africains qui sont des réfugiés dans leur propre continent. Et donc, c'est des laissés pour compte. Mais enfin, je vais aujourd'hui, et je parle sous le contrôle de Tawanda, qui fait partie des panélistes, je vais parler d'un fait réel. C'est le fait des gens qui, aujourd'hui, nous sommes le 13 octobre 2022, des êtres humains qui appartiennent à d'autres êtres humains, et ça se passe en Afrique et sous nos yeux. Ça se passe en Mauritanie, ça se passe au Mali, ça se passe au Niger et ça se passe dans certains pays africains. Au niveau de Transafrica, c'est un problème que nous prenons très au sérieux et c'est pourquoi nous avons amené toutes les organisations qui se battent contre l'esclavage, la discrimination basée sur l'ascendance et le travail à travailler ensemble et donc nous abritons aujourd'hui le secrétariat du network, c'est-à-dire du réseau des gens qui se battent contre l'esclavage. C'est pour dire, chers amis panafricanistes, vous êtes en train de vous battre, mais n'oubliez pas qu'il y a vos frères et vos sœurs qui aujourd'hui sont discriminés sur la base de leur appartenance ethnique, sur la base de leur descendance et qui sont considérés comme des esclaves. Tous ceux qui ne se battent pas contre l'esclavage moderne, cela veut dire que c'est des gens qui n'auraient rien fait s'ils étaient là au temps de la colonisation et au temps de la traite négrière. Et pour finir, j'ai entendu ici un slogan assez connu de l'Afrique du Sud, mais il y a un autre que je n'ai pas encore entendu. Hier, on a passé tous à scander Amandla Ayetou, mais je veux aussi que les gens scandent l'autre slogan, celui du professeur Robert Sobukwe, Isiletou. Thank you very much. Merci beaucoup. Dirk, there's another question here. Oui, merci. Okay. Oui, il y a une intervention tout à l'heure, mais je voulais déjà dire que pensez à nous proposer qu'est-ce que les autres qui sont ici peuvent faire pour soutenir
cette initiative de Trust Africa et comment nous et ceux qui ne sont pas dans ces pays peuvent contribuer à cette lutte. Okay. Je pense qu'on peut donner la parole. So there's one, and last one, and then we'll go back to you. Okay. Très bien, merci. Thank you. Just looking at the discussion around politics and democracy, as a continent, countries that have an election that is does not have violence is seen to be democratic. I give an example of Ghana, sure. Whether you know, so it's always just seen as democratic, but the processes of that election is not questioned in terms of the corruption. Yet, areas whether in Kenya or in Somalia where negotiated democracy is done is criticized. Yet, if you look back, the negotiated democracy allows for every, whether it is clan, region, to have some level of power, because if it is left to the, you know, the tools of you know, money, it will always be the same people who have money. So is it something that we can discuss? Because it is the same, you know, process that even creates, and I say this in this space, because even the tools of trade that are used in social movements, whether it is money, power, access, is what creates the tension between the national movements versus the grassroots movements. So this aspect of negotiated democracy, politics, and the politicization of the processes, I think is something that I would like a discussion around, and if there are any suggestions out there. Thank you so much. Okay. Merci beaucoup. La démocratie qui est censée être peut-être le gouvernement, pas le peuple, est biaisée de nos jours parce qu'elle est parasitée par des facteurs comme la corruption électorale. Malheureusement, en Afrique, dans la plupart des pays africains, comme dans mon pays, il ne suffit pas d'avoir des idées, il ne suffit pas d'être patriote, il ne suffit pas d'avoir un projet de société crédible pour ton pays pour être élu. Mais ce qu'il faut simplement avoir, il faut avoir de l'argent. Il faut avoir de l'argent. Malheureusement, ce sont les riches qui gagnent les élections dans nos pays. Dans mon pays, on a réalisé l'insurrection populaire en 2014 pour chasser un président qui a fait 27 ans au pouvoir et qui était le concentré de toutes les tares qu'on pouvait reprocher à une gouvernance. Mais malheureusement, ce sont ses collaborateurs qui se sont juste mués, qui ont juste migré vers peut-être un autre parti d'opposition pour se créer une certaine virginité politique. Et comme des caméléons, ils ont changé de couleur, ils ont changé de vêtements, et c'est eux qui sont revenus au pouvoir parce qu'ils ont eu le temps d'amasser des fortunes avec l'ancien système qu'ils servaient. Donc aujourd'hui, comme nous vivons actuellement aussi, c'est un régime militaire parce que issu d'un coup d'État, il y a deux éléments clés. Il y a les armes, mais il y a aussi l'argent. Donc, c'est entre les deux là maintenant, il faut essayer de voir, et qu'on espère que peut-être le peuple trouvera, en tout cas, un salut. Et ça, c'est vraiment la grande équation. Merci beaucoup, Zonko. Il y a un troisième intervenant qui est là. Oui. Bonjour, donc, je vais parler en français. Je suis Pape Conaré, je viens de... mondiale.
le peuple ne se trouve pas non plus dans les capitales. Ne sont pas sensibilisés, ne sont pas des acteurs de leur propre, ne peuvent pas définir leurs propres besoins et ne sont pas aussi inclus dans l'action de développement, mais c'est peine perdue. On aura parlé 100 ans et rien ne se passera. On reviendra ici pour recommencer. Et c'est pour cela que nous, Yamigori, on a trois étapes dans notre proposition, nouvelle proposition de société, une société équitable. Mais moi, j'ai un problème avec le mot démocratie même. Parce que si la terminologie nous est inventée par d'autres personnes, si la terminologie, c'est-à-dire les mots nous sont inventés par d'autres personnes, nous aurons des problèmes de compréhension et d'adaptation. C'est pourquoi nous savons, est-ce qu'il faut trouver un autre mot à la place qui exprime réellement? Parce qu'il n'y a aucun système qui est valable en tout le temps et partout. Il faut toujours se remettre en cause et par rapport aussi au contraire. Et la première étape que nous proposons, c'est une proposition que je sais qu'il n'y a pas de panacée là, que je chasse. Il n'y a pas non plus de clé à ouvrir tout. Donc, il y a le Dordiam, qui est promenade pacifique, qui est allé voir les populations à la base et discuter avec eux, pas de les amener des solutions, ni les propositions. Ensemble, on fait une diagnostic pluridisciplinaire, inclinique, et ensuite, il y a la deuxième étape qui est celui de Natal, c'est-à-dire ensemble, co-construire la société. Les populations, tout membre de la population doit être membre de, non seulement de l'élaboration, mais aussi de la construction. Maintenant, la troisième partie qui est le Yekutuku, qui est l'épanouissement par les moyens de la paix. On dit que ce n'est pas une paix qui est quand même absence de conflit, mais c'est une paix qui permet l'épanouissement de tous les éléments de la biodiversité sans exclusion. Et sur ce, nous avons notre... Voilà, c'est rendre la dignité par les moyens de la paix. Donc, je vais revenir plus tard parce que je n'ai pas beaucoup parlé sur d'autres occasions. Ok, merci. Merci, le dernier intervenant. Merci. Je me nomme Michael Zodi, je viens du Niger. Comme ceux qui m'ont précédé l'ont dit, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Et aujourd'hui, il est difficile de constater ce pouvoir du peuple parce que d'abord des élections non transparentes, truquées, et au-delà de ça, les libertés fondamentales bafouées par ces mêmes gens qui disent qu'ils sont venus à travers les voix. Les voix des citoyens sont volées parce que aujourd'hui, on n'a jamais vu, c'est rare dans les pays dans lesquels où un président au pouvoir a pu perdre les élections, ou bien les partis au pouvoir perdent les élections. Donc, du coup, ils s'imposent. Et on les concède. Mais la bonne gouvernance aussi pose problème. Parce qu'aujourd'hui, les citoyens, qu'est-ce qu'ils veulent? Premièrement, qu'il y ait la paix, qu'ils puissent trouver un travail à faire. Quand ils ont des enfants en âge d'aller à l'école, qu'ils puissent trouver une école pour inscrire leurs enfants. Et quand cet enfant tombera malade, qu'il puisse trouver un médecin pour le consulter. Mais rien n'existe dans nos pays. Et il y a une particularité aussi que je constatais que les gens ne font pas le débat par rapport au Sahel, la crise au Sahel. Et vous avez constaté, parmi les quatre pays concernés par cette crise, il n'y a qu'un seul pays, le Niger, où il y a eu des élections. Et où les gens l'ont joué à la Poutine, comme Poutine et Dimitri. Il a choisi son dauphin, il l'a imposé, et c'est la continuité. Donc, la crise au Sahel a créé une situation où les coups d'État sont revenus. Vous avez constaté le cas du Burkina, le cas du Mali, le cas du Tchad. Mais il y a des coups d'État propres, tels que le coup d'État du Tchad, où on applaudit. Mais de l'autre côté, la communauté internationale ferme les yeux par rapport à tout ce qui se passe au Mali ou agresse même le peuple malien.
Vous savez, je ne veux pas faire des statistiques, donc il faudrait que les gens aient une pensée par rapport aux populations qui souffrent de cette guerre qui nous est imposée par des forces impérialistes qui ont fait beaucoup de déplacés. Et ces gens-là qui sont déplacés, est-ce que la démocratie, est-ce qu'ils pensent à la démocratie? Est-ce qu'ils pensent que, parce qu'aujourd'hui, si je vous prends le cas du Niger, dont j'ai les statistiques, nous avons 855 écoles primaires fermées, 35 écoles secondaires fermées, à peu près 17 947 élèves qui ne partent plus à l'école, dont 38 394. Donc, est-ce que ces gens-là, ils ont le temps de penser à cette démocratie? Merci. Merci beaucoup. Nous avons... Oui. Sorry, before you start, I just want to make an announcement. I'm so sorry to interrupt. If there's anybody who needs to take s'il y a quelqu'un qui veut faire un test de COVID, vous allez juste lever votre main. Si vous voulez avoir un test de COVID avant de rentrer, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin du test de COVID? On a juste besoin de nombre afin que nous puissions l'organiser. 1, 2, 3. Est-ce qu'il y a encore une autre personne qui a besoin du test de COVID? Merci. Alors, merci. Je vois que c'était la revanche des Français, des francophones. Ils ont beaucoup parlé, mais ils vont devoir porter leur casque maintenant parce que les anglophones aussi vont parler. C'est la démocratie. Alors, on a eu des très, très, très belles interventions et j'ai noté quelque chose. C'est la problématique de la démocratie par rapport à l'influence de l'argent, l'impact de l'argent, du pouvoir économique sur la définition des choix des acteurs par rapport à la démocratie. On a parlé aussi de la problématique des élections, de leur transparence. Et aussi, on note la notion de la violence. Et on le voit de plus en plus que la violence devient un défi vis-à-vis de la démocratie. Quand on n'est pas en mesure d'atteindre le pouvoir par les moyens démocratiques, par les élections, on finit par recourir à la violence. On voit de plus en plus des violences ou bien des révolutions armées dans l'Afrique. C'est des problématiques qui viennent d'être soulevées. On a aussi parlé de la problématique de la participation de la population, de la conscience citoyenne qui pourrait permettre que la population s'approprie davantage les valeurs démocratiques et les défende. Alors, nos intervenants vont nous aider à répondre à ces différentes préoccupations. Monsieur Tawanda, que pensez-vous de la problématique des élections et leur problème de transparence? Mais aussi, à part ça, la problématique de l'accès au pouvoir par la violence et l'influence de l'argent sur l'accès au pouvoir qui deviennent pratiquement des freins à l'existence de la démocratie et à la volonté de la population dans le choix de ses acteurs. Merci de nous dire ce que vous en pensez et nous proposer des perspectives qui nous permettraient en tant qu'acteurs, de manière globale, d'interagir ensemble pour faire face à ces défis. Merci beaucoup, Jacques. Bon après-midi, chers collègues. Je pense que c'est un problème critique avec toutes ces questions de l'argent et les élections. Le nombre, un grand nombre de nos collègues en ont parlé dans les conversations. En 2014, Oxfam d'Amérique et les autres Oxfam, je n'ai pas encore pris le plaisir de ça, mais j'ai aimé de loin quand j'ai vu. Ils ont fait une étude, une investigation. Ils ont vu que l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud, les États-Unis, où on parlait des gens, comment ils voient la démocratie en termes de comment ça se produit par rapport à l'argent et la politique. Et c'était pas percutant que la politique aux États-Unis. On a fait des études, on a trouvé que le Congrès aux États-Unis font la loi pour les riches. En Espagne, 6 sur 10 ont senti que la démocratie était pour les riches. Et à travers tous ces pays, il y avait le sens que la démocratie est faite pour favoriser les riches. C'est vraiment important ce que notre collègue soulève.
C'est pourquoi, en regardant le point, quand vous regardez, en regardant ce qu'on appelle le CRI, c'est un engagement pour réduire l'inégalité, l'index d'inégalité. On a publié le dernier par Oxfam pour 2022. Ce que nous avons fait à ça, c'est quoi? Nous avons fait une réévaluation, réexamination des années récentes par rapport à la COVID. Ce que les pays ont fait, c'est une évaluation qui est compréhensive par rapport aux inégalités. Vous allez voir que sur les 143 pays, là où on a fait des études, sur les 160 et quelques, 143 ont échoué d'inclure les taxes pour les riches dans le contexte de la COVID. Et même pour le problème de la santé publique, c'était un échec parce qu'avec la crise de cette proportion, 11 pays inexcusables ont réduit les taxes sur les riches. La France a échoué au premier rapport que nous avons fait. Elle a échoué à des 10 points parce qu'il y avait, en fait, ils ont coupé avec ce qui s'est passé en 2019. Et on a réduit aussi les taxes pour les riches. Mais ceci était inévitable. Si vous prenez un pays comme le Népal, celui qui est relativement pauvre, ils doivent augmenter leur budget. Ça veut dire qu'il y a une volonté politique et nous devons faire des choses. Parce que ce pauvre Népalais, vous connaissez le Népal, ils ont leur drapeau et tout ça. Le Costa Rica et tout ça ont aussi pris des mesures importantes. Alors, dans tout ça, je souligne le fait que regardez le CRI, l'engagement pour réduire les inégalités, les taxes. Vous allez voir comment ça se passe, que la connexion critique de Nexus, que les collègues ont parlé ici dans toutes les interventions, avec la démocratie et les inégalités, la démocratie doit être mélangée à la question d'inégalité. C'est de ça qu'il s'agit. Même ici dans ce pays, dans ce sol où nous sommes assis, où nous nous tenons, pour mon cas, où je suis en train de parler même, nous sommes arrivés avec la liberté de chat. Et vous voyez voir, c'est écrit clairement sur la liberté. Vous allez voir que la partie de notre force sera utilisée. Nous allons faire tout pour réaliser cette liberté. Et vous allez voir les autres éloquents rapports qui suivent. Et puis, vous allez voir qu'ils sont sur la liberté, mais aussi sur la vie et la justice économique. C'est de ça qu'il a toujours été. Maintenant, vous allez voir comment l'argent vient avec nos politiques. Vous pouvez avoir les milliardaires qui sont dans l'histoire d'élection et tout ça. Alors, toute cette vision de démocratie a été demandée en tant qu'humanité ou civilisation, disant que nous devons fuir des décideurs pour dire que nous sommes des grosses parts pour ceux qui ont des grosses porte-monnaies, des gros porte-monnaies. Si nous allons voir que nous avons fui de ce que nous sommes écartés de ce que nous essayons de fuir. Mais vous savez, les inégalités dans la politique et tout ça, c'est vital et qui est une question très capitale que nous devons soulever ici dans notre continent. Alors, j'aimerais souligner deux choses pour l'instant. Et puis après, pour pouvoir prendre la pause pour cette question particulière. Je pense que l'une des tragédies que je vois, qu'il s'agit des actions, parce que je vais orienter quelques interventions par rapport à ce qui doit être fait. Comme nous commençons à penser sur ce qui doit être fait, l'une des choses pour lesquelles je m'inquiète plus, c'est autour des mouvements sociaux, il y a un niveau d'ambiguïté par rapport à la démocratie en soi. Et je pense très bien que la clarité par rapport à l'importance de la démocratie, c'est un point essentiel de départ. Nous allons avoir des masses critiques au sein de nous-mêmes qui savent que la démocratie compte par rapport à ce que nous cherchons à atteindre. La démocratie est actuellement
mise en détériorée, nous devons la prendre dans du bon côté et tourner pour faire en sorte que nous soyons cyniques par rapport aux actions de la démocratie et pour le bénéfice de la pauvre population. Pour moi, c'est un point de départ en tant que proposition. Et relativement, je pense qu'il faut dire c'est comment la démocratie peut se conformer à la situation critique des inégalités et de la justice économique. L'un des points de départ en pratique, c'est s'assurer que les mouvements sociaux incluent ceux de nous qui travaillent dans toutes ces questions importantes, incluant les environnements, les problèmes des climats et tout ça. Mais aussi, il faut inclure le mouvement constitutionnel, qui inclut aussi ceux qui travaillent dans le constitutionnalisme et dans les droits de l'homme, pour qu'on n'arrive pas à des difficultés de droits de l'homme, comme on l'a entendu le matin, que nous devons quitter de l'endroit où nous sommes pour aller, quitter nos difficultés, pour aller dans un endroit où les mouvements sociaux sont interprétés comme en incluant tous ces intérêts relatifs à au constitutionnalisme, à la violence, à la justice économique, etc., etc. Je veux suggérer, quand nous regardons les décisions des cours à travers le continent, l'année passée, vous avez vu comment c'est que ça s'est passé en Guinée, au Mali, au Tchad, toutes ces crises, en Guinée-Bissau, au Sahel. On a continué à avoir une forme de crise au Burkina Faso aussi. Comme nous le savons tous, a expérimenté un coup d'État dans un coup d'État. Et avec ce nouveau coup d'État qui s'est produit récemment. Donc, ce qui est inquiétant, c'est que nous regardons toute cette tendance. On peut oublier que en tant que l'Afrique, que nous élaborons beaucoup de standards sur la protection de la démocratie au sein du continent. Mais à ce moment, quand certains de nos leaders viennent, ils disent qu'on a le NEPAD, on a le mécanisme de l'Afrique, de la paix en Afrique et tout ça. Je pense qu'il est temps où nous pouvons dire, en tant que mouvement social, nous devons écrire dans l'évaluation qui a été faite de manière annuelle au sein de nos pays, de nos régions, de notre continent, clairement une base pour voir que la démocratie a été établie en termes de l'économie, de la justice, d'énergie, environnement et tout ceci de suite. Cela nous amène dans ces standards que nous avons dans l'une main et de l'autre main, les idéaux que nous développons pour la transition est très importante. Nous devons trouver une formule où nous allons dire voici ce que nous amenons dans la transition avec les normes et les standards pour les performances en Afrique, et nous allons mesurer nos gouvernements se basant à cela. Merci beaucoup, Monsieur Tawanda. Je pense que c'est clair et c'est brillant. Beaucoup d'idées ont été partagées. Ça veut dire que nous avons beaucoup de travaux à faire pour commencer une alternative et pour l'implémentation de la démocratie. Maintenant, je vais partager une question avec vous, Mérima. Que pensez-vous de la capacité des citoyens dans les différents pays, sachant que nous sommes les peuples qui donnons le pouvoir à nos leaders et être en mesure de se battre pour avoir le droit d'élire et aussi défendre les valeurs de la démocratie? Là, nous parlons de l'égalité, la justice sociale. Comment pouvons-nous agir en tant qu'acteurs du changement, pour être en mesure de faire en sorte que les populations comprennent leur rôle dans le changement qu'il faut faire dans la démocratie? Il y a des questions qui ont été posées. Est-ce que la démocratie en soi compte-t-elle? Est-ce que les populations comprennent vraiment que pour nous, que veut dire la démocratie pour nous? Est-ce que c'est vraiment important pour nous de se définir en tant qu'acteurs du changement dans ce monde de la démocratie? Mais aussi comment faire en sorte que la population soit impliquée dans cette notion de la démocratie pour la protéger et la promouvoir. Merci beaucoup pour cette question. Et je suis très reconnaissante d'être ici. J'ai beaucoup appris. En réponse à vous, je vais dire ceci. Je
parle dans ma position de privilégié. Et il faut reconnaître que dans ma réponse, mais je vais vous autoriser dans ma pensée et je demande qu'il n'y ait pas de jugement si c'est obscur, en fait. Ce que je vais partager, je ne sais pas si Mohapi, tu vas la mettre pendant quelques temps pour combiner la pensée et dans cette réponse que je vais donner. On va diffuser une vidéo, un message. Je pense que ce film, c'est une expression de l'art. Et il y a quelque chose qui me tape à l'esprit pour un certain nombre d'années. On appelle ça une plateforme. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu ici. C'est un film espagnol que je vais partager. Et il s'agit d'un homme qui se réveille et il y a une construction de l'histoire et il est à la base. Il décide d'aller en prison parce qu'il n'est pas en mesure de payer sa dette. La dette est tellement élevée, il ne peut pas la rembourser. Alors, il est d'accord d'aller servir des années en prison pour payer sa dette. La partie intéressante dans ce prison est qu'ils ont seulement un seul. C'est une histoire construite de la base au sommet avec les riches criminels. Et on fait un repas, un seul repas, mais fantastique. Un repas très fantastique et exclusif. Mais ça doit venir de deuxième, 200e étage. Et ça doit, on doit partager cela jusqu'en bas, jusqu'à celui qui est au premier niveau, au premier étage. Alors, quand le repas est partagé, ça s'arrête à ton niveau que pour 5 minutes. Alors, qu'est-ce que vous pensez qui se serait produit? Les riches vont prendre tout ce qu'ils peuvent avant que ceci arrive au premier étage, là où c'est la partie prévue pour les pauvres. Alors, c'est ce que nous voyons lorsqu'on parle de la démocratie, lorsqu'on parle de comment les riches sont amenés jusqu'au gouvernement. Alors, ce que je vais amener dans ce domaine, c'est le caractère principal, c'est l'activiste. Le rôle de l'activiste qui parle. Les gens au-dessus de lui, si nous partageons, nous allons tous manger. Si vous partagez sans penser aux autres, nous n'allons tous pas manger. Alors, que pensez-vous qui se serait produit sur lui? Alors, il y a 3 types de personnes. Il y en a qui sont à la base, il y en a qui sont au sommet, il y en a qui tombent, il y en a... Alors, vous, la population magnificente ici, j'aimerais que vous puissiez parler pour relier le sommet et à la base. Parce que je sais qu'au-delà de cela, à travers ce film, il y a un homme qui dit, vous avez un grand cœur, un bon cœur. Je ne pense pas que vous allez survivre pendant longtemps. Alors, en apportant ceci, revenant à votre question, il y a 2 semaines passées, je me suis retrouvé me connectant à un milliardaire par erreur. Il a commencé à partager avec moi des choses pour savoir, vous savez combien il était frustré par rapport à ce qu'il disait. Il dit qu'il a investi beaucoup d'argent, même avec ses amis. Mais comment ceci se produit? Alors, c'est qu'il a clôturé en disant avec son chauffeur. Il a dit, si Ruto prend mon argent, il sera viré. Alors, quand vous parlez de le pouvoir de la population, il est aussi venu des élections. Nous sommes des très jeunes personnes à participer dans ces élections. Mon engagement aux jeunes, mon organisation s'appelle Siasa Politics, parce que nous croyons que la politique affecte toute chose. Alors, pourquoi s'engager dans quelque chose qui ne s'intéresse pas à moi ou ne prête pas attention à moi? Il faut en fait les enlever de cet processus d'engagement. Ce sont là les défis, les challenges que nous devons donc répondre ici. Est-ce que le changement peut seulement se produire quand les riches veulent, décident ces changements? C'est une forme de démocratie ici dont nous parlons. Alors, l'intention de la croissance, il faut savoir que cette intention rencontre des difficultés en termes de ce qui concerne à faire avancer les choses.
C'est bien que nous avons convenu pour que ces futurs soient brillants, mais aussi nous sommes des activistes très jeunes qui, essentiellement, nous avons été détachés de cette vie de la célébrité et tout ça. Nous avons accepté de prendre le nom, de porter le nom pour cette cause. Mais qu'est-ce qu'on en fait avec l'autre partie qui nous regarde? Il y en a beaucoup d'activistes, beaucoup ne le savent pas, mais les pays européens disent que nos leaders ont peut-être 500 millions de followers. En Afrique, vous avez 5 millions, 4 millions, les gens qui suivent les leaders. Pourquoi? C'est parce qu'ils sont en train de bassourdir les populations jeunes et ils continuent à le faire. Alors, comment ils comprennent? Alors, l'inquiétude pour moi, c'est que l'âge de la digitalisation implique beaucoup de choses, mais nous sommes organisés devant. Nous étions organisés avant l'avènement de l'ordinateur et tout ça. Et donc, il y a aussi ces intersections pour voir les partenariats, pour s'assurer que nous faisons les choses ensemble. Mais finalement, il y a aussi le défi qui est le fait que ces individus riches. Ces grands hommes d'affaires ont maintenant se sont impliqués pour devenir maintenant des leaders politiques. Ils sont maintenant nos leaders politiques. C'est eux qui gèrent la loi. C'est eux qui étendent les limites, qui déterminent les limites. Et voilà. Mais nous continuons à nous battre à l'extérieur. Et pour moi, ça va être une question à laquelle nous allons chercher à répondre et regarder dans le futur. Mais si nous parlons les coups d'État militaires qui se sont produits, j'ai entendu quelqu'un dire cinq leaders africains. Beaucoup sont arrivés au pouvoir par un coup d'État. Alors, la démocratie, est-ce que c'est ça vraiment la démocratie? Je ne sais pas. Thank you so much. I think we can watch the video so as we can close with it. Yes. Merci beaucoup. Alors, nous allons clôturer cet échange en vous redonnant encore la parole. Je pense que de ce qui a été dit, nous avons noté Okay, has everyone got their phones on? On peut couper, s'il vous plaît. Can you stop? Yes. Yeah. Okay. Go ahead. So we've got some. Alors, nous allons encore vous donner la parole pendant quelques temps pour tirer des conclusions de cet échange très riche que nous venons d'entendre. Je pense que de toutes les réponses qu'on a apportées, de questions. You don't understand. Okay. Please, the translation, please. Where are the translators hearing you?
OK, ça marche. Yeah, OK, fantastic. Je disais alors qu'on va vous redonner la parole après cette brillante présentation et ces tentatives de réponses qu'on vient de partager tout à l'heure. Des questions que vous avez soulevées et des réponses qui ont été apportées, je pense qu'il nous faut prendre la dimension de l'engagement que nous devons prendre. Quelqu'un l'a dit ici, nous n'avons pas beaucoup d'occasions de nous rencontrer comme ça pour qu'après nous sachions comment nous pouvons travailler ensemble à relever réellement le défi. L'occasion que l'on a, c'est de se dire de ces propositions qui ont été données, quelles sont les deux, trois sur lesquelles ensemble, pendant toute une année, pendant les années à venir, nous pouvons nous mettre d'accord et travailler dessus. Parce que nous sommes conscients que les aspects de la démocratie, de la gouvernance, de l'accès au pouvoir, et la dernière question qui a été posée était tout à fait magistrale. Est-ce que le fait que des jeunes prennent finalement le pouvoir par les armes n'est-il pas une autre façon pour ceux qui sont au rez-de-chaussée, finalement, d'atteindre le sommet parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens de pouvoir aussi se servir? Peut-on attendre de ce genre de passation de pouvoir une nouvelle ère de démocratie différente de celle qu'on a connue? Tout ça, c'est des questions qui nous questionnent, nous, en tant qu'acteurs, à l'intermédiaire, comme Nerima l'a bien dit. Nous avons bon cœur, mais allons-nous survivre longtemps pour pouvoir voir advenir ces démocraties? Qu'est-ce que l'on fait? Comme M. Tawanda l'a proposé, pouvons-nous mettre des jalons? Pouvons-nous définir les normes? Pouvons-nous être en mesure de définir un outil d'évaluation de l'évolution démocratique dans nos pays, ensemble comme ça, avec le soutien que l'on peut avoir ici? Nous mettre ensemble et dire, nous allons évaluer annuellement le niveau des démocraties. Quelles sont les normes, les différentes benchmarks que nous-mêmes nous fixons et qu'ensemble nous travaillons à pouvoir transformer notre société de manière démocratique pour vaincre les inégalités, pour vaincre l'injustice sociale et pour faire que l'argent et la violence ne soient plus le moyen de nous confisquer le pouvoir citoyen. Je vous donne la parole pour des interventions concrètes. Comment agir ensemble pour avancer? Okay, I am going to take one. I want to hear from other voices. I saw that hand first. Entendre d'autres voix. Je vais entendre une autre voix, une nouvelle voix. All voices are very important. Let's start with, Tabitha, you are lucky. Tabitha. And one here. And then we'll do a second round. Keep your hands there and then you as well. So I'll gather it. Where did I start? My goodness. D'où est-ce que je dois commencer? Okay. First, thank you for the brilliant lady who basically put in place something beautiful. Merci pour cette dame qui a mis en place quelque chose de joli avec son intervention, très bien choisie. La question que vous avez demandée est dans le monde, est-ce qu'on peut changer quand les riches décident? Oui, parce que le capitalisme marche avec la démocratie et l'objectif du capitalisme et la démocratie, c'est le blueprint, en fait, de ce qu'ils font essentiellement, ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Mais je vais aller aussi en poussant mon idée, comment nous, en tant qu'Africains, on peut baser notre fondation, notre société, notre vie et notre futur à travers une idéologie pour qu'un homme nous détruise et détruise la population. Je pense que nous sommes sur une mauvaise voie, que nous devons nous revoir et chercher à savoir quel est ce modèle pour libérer ce continent des autres civilisations. Parce que je vois que le problème d'aujourd'hui, ce n'est pas seulement sur le racisme et la couleur, mais c'est la survie. Et la seule population dans cette planète qui ne réalise pas que nous sommes dans un problème de survie, c'est nous, parce que nous sommes encore à 1,2 milliard. Et si nous avançons plus loin avec ces changements climatiques, s'il y a une seule erreur qui se produit, avec 100 000, nous allons arriver à cette unification de solidarité, qui va être une sorte de prédication ici. Pour terminer, je vais dire merci beaucoup, ma sœur. C'est pour nous un moment pour les Africains d'ouvrir nos yeux, pour nous impliquer avec les systèmes académiques, pour que ceux qui sont dans nos pays, dans les pays étrangers, reviennent ici sur notre terre-mère pour voir comment implémenter ou faire en sorte que les choses puissent avancer en faveur du continent. Merci.
Merci beaucoup, congrégant. Merci à Tawanda. Comme il a expliqué sur le fait que la démocratie doit produire, doit donner naissance à quelque chose pour moi, et je vois qu'il faut aller au-delà de fait de la célébration de la démocratie pour faire en sorte que nous, mouvements sociaux, avec le confort que nous avons pour organiser les choses au-delà, avec s'asseoir et voir comment, faire en sorte que la démocratie puisse avoir de produire quelque chose. J'ai vu des mouvements sociaux avec lesquels nous avons travaillé où ils célèbrent l'extension de temps avec ce terme de la démocratie. Vous allez voir que la Zambie célèbre en ce moment. Je me disais, est-ce que cette démocratie va-t-elle vraiment produire? C'est basé sur la manière dont la Zambie s'engage avec les institutions multilatérales. Si c'est vraiment ça la démocratie dont il s'agit. Et quand on parle de ce qui s'élève contre les facilités de la démocratie, c'est qui? Oh là là, elle parle tellement rapidement. Et nous devons nous organiser au-delà de la réunion de Lusaka pour voir comment la démocratie est célébrée et voir avec ces problèmes de l'inégalité, l'injustice, le manque, pour voir si les choses peuvent changer. Et si on peut donner aussi la place à la démocratie, comment c'est considéré en Zambie comme un exemple. C'est ce que je sentais. C'est ce qu'on peut faire pour avancer et penser sur comment nous pouvons nous organiser pour voir comment célébrer en ce moment avec le problème de démocratie, pour noter avec ces questions critiques sur comment ça va produire, comment ça va s'engager avec le capitalisme dont nous parlons. Et aussi l'état économique classique. Donc, nous organisons au-delà du gouvernement pour voir comment les choses se font. Nous l'organisons au-delà de ces bulles ou de ce projet. Should I take more than that? Oh, and Tabitha, yes, I remember, and Tabitha. And then I'll pause that round. I'll pause, we'll come back, and we'll get some responses. I'll give it back to you, Dirk, and then we'll do maybe a second round. Okay, who did I say is next? Yes, you go ahead. Okay, let me start by thanking the presenters. Permettez-moi de remercier les présentateurs, les intervenants. Moi, ma question est tellement simple. En fait, les deux présentations, vous avez mentionné le rôle de l'armée ou les coups d'État que nous continuons à voir à travers le continent. Et sommes-nous en mesure d'aller plus loin, en profondeur, en termes d'épingler vraiment le rôle de l'armée? Je pense que dans d'autres pays que nous voyons, il y a une implication profonde de l'armée en termes même de la gestion des élections. Vous savez, la gestion des élections, ça a affecté les personnes qui sont liées aux militaires, à l'armée, et c'est phénoménal de voir dans beaucoup de pays en Afrique. Comme Tawanda, y a-t-il quelque chose pour lequel nous devons aller en profondeur pour dire nous avons des questions, des réponses, pardon? Vous savez, l'implication de l'armée dans les élections, comment nous renforçons nos institutions qui sont supposées protéger la démocratie pour s'assurer que nous n'avons pas l'armée qui deviendra intervenir pour prendre le pouvoir. Merci. Tawanda, attendez, on va prendre une autre question. Are those your pronouns? She. Okay, and then you, sir. Yeah. Hi, everyone. Bonjour, tout le monde. Is going to Africa Union so that they look at me nicely. Quelle est la caméra qui va aller vers l'Union africaine? C'est celle-ci? Je m'appelle Rachel. My contribution is going to be ma contribution est très radicale. Parce que les élections qui se sont produites au Kenya, certains d'entre nous, le mouvement, étaient impliqués pour faire une éducation politique, pour avoir les leaders qui sont
qui devait être primé. Voilà, malheureusement, nous sommes où nous sommes aujourd'hui. Ma contribution est quand nous parlons de la démocratie. Comment nous lions la démocratie, pas seulement pour voter, mais aussi les problèmes de base. L'accès à l'avortement, l'accès à beaucoup de choses. Comment nous convaincons les femmes à dessiner les problématiques et beaucoup de leaders en Afrique ont dessiné les lois qui sont contre notre corps, contre nos choix. Comment nous faisons pour convaincre les communautés? Ma sœur a parlé de la pauvreté, l'alimentation. On a parlé avec les leaders qui ont copté certains de nos activistes. Le grand exemple, c'est l'actuel président a utilisé la carte d'inégalité. Nous sommes tous des populations, des mouvements des populations ici. On a parlé des problèmes, l'approche de la base au sommet. Qu'est-ce que nous avons fait? Comment? Je ne dis pas que les activistes font beaucoup, mais les femmes demandent aussi. Mais vous savez, ces genres d'agenda, vous dites qu'on n'en fait pas trop. Quand il y a des débats politiques qui étaient cadrés, on a suivi beaucoup de pays africains. On a pris le rôle de droit des femmes. On a criminalisé certains droits. Les femmes sont tuées dans nos pays parce qu'ils ont dit non aux hommes, parce qu'ils ne voulaient pas être en relation avec tel homme, tel homme. Les gens réduisent ça au langage de l'homicide. C'est un féminicide. En tant que femme, jeune femme africaine, people will talk about extrajudicial killing and not talk about les gens vont parler de l'exécution, de tuerie, et non parler de féminicide. Moi, je parle moi-même ici, pendant que moi-même, je ne suis pas en sécurité. Comment devrais-je être en sécurité? Il y a quelque chose que je veux soulever. Il s'agit des institutions que nous réclamons être démocratiques. Global North, how will they talk about our agenda? Quand on parle de notre global, comment ils vont parler de notre agenda? Are we holding AU accountable? Allons-nous tenir l'Union africaine des responsables? Est-ce que c'est un truc qu'il faut dire, aller parler dans les clubs, dans des différents clubs, parler des leaders de la femme? C'est là où j'appelle les membres du Congrès, spécifiquement les hommes, appeler, interpeller les hommes, appeler vos confrères, les hommes comme vos camarades qui sont au pouvoir. Nous, les femmes, nous sommes criminalisés. Je ne sais pas, we have a lot of examples of democracy. Beaucoup d'exemples sur la démocratie. We have a lot of issues that are nous avons beaucoup de problèmes. Is that movements are organizing. La réalité est que les femmes sont organisées, mais nous devons aussi voir comment also solidarity among us ourselves, comrades, as I close it. That if I know I'm threatened, I can come to South Africa, comrade. Si je where is the comradeship of cross-border? When we know things are bad, we are able to say, comrade, I hear you, it's very lonely. Le congressiste sont là. People will be totally telling you that young person, you're too much. On parle parfois des situations. Calm down. Beaucoup trop avec l'exagération. Ne faites pas but one thing I know, and with the spirit of my umbilical cord being buried in this continent, l'esprit de will not tire, will keep on fighting, qui est lié but we need solidarity pays, among us. Mais nous avons besoin we need de solidarité, comrade, when women nous also avons besoin we are de solidarité, chers congressistes. Also, there's this habit, I'm closing, this habit je vais clôturer cette habitude de dire, also, okay, I have my private life, but comrade, also, we have this habit that we need to change nous avons when our comrade also thinks of how to decenter themselves. You say, now she's in love, she can do the work. Ils sont amoureux, but the male comrades, ils when they have their wives, ça. We are like, they are good, they are good leaders. So we need leaders to allow that space also. Women comrades, we have our own. Permettez aussi que les femmes aient aussi de we also have our own issues where we need to be nous told, hey, that was hard. Like, you know, we move forward. Il faut dire, bébé, criminalizing ça, c'est us dur, mais il faut avancer. Mais this vous êtes là toujours staff, à nous rendre coupables. And it needs solidarity. But viva Africa, viva. Solidarité. Viva when Africa. When I say Africa moja, you say Africa uru. Africa moja. Africa Uhuru. Africa Moja. Africa Uhuru. Okay, final two comments. We've got, can I say, sir? Yeah, Sipo. Sipo, and then Tabitha, and then back to you, Dirk. It's very hard to follow. C'est dur à suivre. C'est dur à suivre cette tâche. Merci beaucoup, ma sœur. Je suis associé à votre cause.
Collègues, juste quelques commentaires. Merci à Awanda et les collègues là-bas. C'est avec cette bonne façon de souligner la réimagination de la démocratie. Je suis en train de réfléchir sur quelque chose qui va nous aider, pas pour se sentir mal, parce que nous nous sentons toujours mal. Nous regardons autour de l'Afrique. L'Afrique du Sud est en train de tomber avec ce problème de l'ESCOM, l'ANC, Swaziland. Les rois font ceci au Swaziland, au Zimbabwe, il y a ceci et cela. Nous nous sentons toujours parfois mal, mais certains d'entre nous on ne se souvient même pas d'où nous venons. Nous sommes du genre, la démocratie est en baisse, pas seulement dans l'Afrique subsaharienne, nous, l'Afrique australe, mais c'est dans tout le continent. Peut-être qu'on a un peu une sorte de nuance de là où nous venons, où nous sommes. Bon, je ne dis pas que nous sommes bien, mais je dis qu'on n'est pas vraiment pas mal du tout. Donc, on est pas mal du tout. Alors, il faut se souvenir que cette partie du continent, l'Afrique australe, c'est qu'on appelle le sud blanc, l'Afrique, la partie de l'Afrique. Depuis 80, depuis les années 80, on s'est posé, est-ce qu'avons-nous vraiment la démocratie en Afrique? Oh, on s'est dit, la démocratie est en chute, on ne l'a jamais fait. Il y avait une connexion de l'armée, les suites, ceux qui ont adopté les élections parce qu'ils savaient qu'ils allaient contrôler les processus électoraux. Il n'y a pas un seul pays en Afrique, peut-être le Bénin et quelques d'autres qui sont vraiment démocratiques. Mais nous devons comprendre d'où nous venons, quelle est notre ligne de base. Il faut qu'il y ait vraiment nuancé pour se sentir très mal par l'échec de nos propres efforts. Ces choses sont là depuis des années, chers congressistes. Il faut maintenant comprendre quelle est la compréhension du succès, c'est quoi. On n'a pas nécessairement besoin de tirer vers le bas tout le monde entier. Parfois, ça marche, parfois, ça ne marche pas. On a bougé le monde, les murs au Zimbabwe pendant des années, mais ce n'est pas tombé, mais ça va tomber un jour. Mais nous devons continuer à bouger les choses. On ne peut pas stopper parce que le fait que nous avons eu le bouger et que ça ne tombe pas, ça veut dire que ça ne va pas tomber. Non, un jour, ça tombera. Un jour, regardez tout autour. Il y a des endroits où il y a le succès, la réussite. Nous avons les prêtres pour le président au Malawi et tout ça. Et ça va changer un jour. En Zambie, ça va changer. Ce changement ne vient pas juste comme ça. Nous avons tendance à oublier que Luno était en train d'aller en dehors. Il était déterminé à rester au pouvoir, faire tout ce qu'il fallait pour rester, pour détenir l'opposition, arrêter les opposants, les activistes, pour manipuler tous les processus. Mais il est tombé. Il est tombé. Il a échoué. Parce qu'il y avait la pression poussée. La poussée de la société civile, c'est des choses qu'il faut célébrer. Il faut célébrer aussi les succès, la réussite au Lesotho. Mais je sais qu'on a maintenant les milliardaires au pouvoir, mais ça va changer. Ça a changé. Ce sont les jeunes qui ont apporté ce changement, qui se sont levés. Ils se sont levés. Ils ont dit, vous savez quoi? Nous sommes fatigués de cette idiotie. Alors, nous avons des vieux hommes qui ont contrôlé la politique pendant longtemps. Je vais m'arrêter ici, chers congressistes. Essentiellement, je vais dire ceci. Essayons de voir quel aspect il faut pousser. Célébrons la réussite et continuons à agir. Ne nous sentons pas trop mal, coupables, ou attristés ou frustrés. Donc, on est dans un état où on dirait pas mal du tout. Donc, voilà. Alors, répondez et clôturez. Et puis, nous allons continuer. La dame qui a parlé, excusez-moi si je me sens toujours très mal. Il s'agit de la politique par rapport avec cette performance pauvre. Mais je vais diriger mon commentaire
à Towanda qui, dans cet essai, cette tentative de vouloir checker, voir les choses, voir comment engager avec, s'engager avec le mouvement constitutionnel. L'histoire en Afrique parle, il y a trois ou quatre pays qui n'ont pas hérité vraiment de leur constitution d'indépendance. Si nous regardons les pays du Sahara, certains pays du Sahara, certaines constitutions que nous avons données sont venues après notre indépendance. Ce que nous avons vu après, c'est que les motifs de certains de nos leaders ont fait seulement des amendements et complètement regardé pour voir cette constitution et ont donné maintenant à la population une nouvelle version de la constitution. C'était bien pendant un moment. Et venant de mon pays où en 2010, nous, les populations au Kenya, nous avons donné nous-mêmes notre constitution au pouvoir. Mais voilà, maintenant, ça devient un peu sceptique par rapport aux nouvelles parties que nous voyons, des leaders africains qui ont découvert que cette nouvelle constitution que nous nous sommes donnée est devenue une barrière à notre réussite. Ce que nous voyons, c'est ce nouveau motif de ces mêmes leaders africains qui tentent d'amender la constitution, dire que la population est un, la constitution est un, devient une sorte d'obstacle. J'ai peur un peu par rapport à le fait de vouloir revoir la constitution dans par rapport à cette histoire de démocratie. Et comment nous faisons pour sauvegarder la constitution quand les populations avec nous-mêmes ont presque stoppé? Quand le BBI, Banish British Initiative, pour bannir l'initiative britannique, quand vous parlez des mouvements de constitution constitutionnels, ma question est comment nous sauvegardons ce quand nous annonçons le motif de ces mauvaises manières, où on cherche à réduire cette constitution, à la diminuer. Merci beaucoup. On a donc 10 minutes pour terminer. On va prendre la pause en 10 minutes. Et les 10 minutes... Oh, earphones. It's okay? Okay. Okay. On a donc 10 minutes avant de prendre la pause. Et avant ces 10 minutes, nous allons donc redonner la parole à nos panélistes et le temps de commenter un tout petit peu sur et rappeler qu'il a été mentionné ici tout à l'heure dans la deuxième série des questions, la problématique du rôle des militaires qui aujourd'hui de plus en plus joue le rôle de conservation du pouvoir. Est-ce que cela constitue aujourd'hui des acteurs à prendre en compte dans la conservation de la démocratie ou sont-ils réellement des menaces? Et si c'est des menaces, comment nous devons traiter avec les militaires par rapport à leur accession au pouvoir aujourd'hui? Et mais aussi, la question qui vient d'être soulevée, on a connu des présidents qui se sont battus pour la démocratie et qu'on a vu devenir eux-mêmes des tentatives pour pouvoir museler la démocratie. Mes solidarités aux amis du Sénégal, je sais qu'ils ont fait un grand combat et aujourd'hui, leur président actuel est en train aussi de devenir un problème. Nous l'avons connu en RDC. Après avoir combattu pour qu'il y ait élection, finalement les élections se sont faites mais n'ont pas été transparentes et donc la personne qui a été mise au pouvoir n'est pas la personne qui a été élue et donc le combat reste entier. Comment est-ce qu'aujourd'hui en tant qu'activiste nous faisons face à ces nouvelles formes de menaces ou à ces formes variantes? C'est des menaces qui existaient depuis longtemps et qui sont en train de varier, mais on a dit aussi qu'on a connu du succès qu'il y a quelques années. Nous n'étions pas à ce point-là. Nous avons connu des dictatures, nous avons connu l'apartheid, nous avons connu tout ce qu'on a connu. Et donc, il est vrai que nous avons avancé. Et je suis aussi d'avis que nous n'avons pas peut-être suffisamment avancé, qu'il y a encore des étapes à construire. Et la question qu'on se pose tous, c'est comment construire les prochaines étapes pour que ce que nous craignons aujourd'hui, nous le craignions moins demain. Pour que quand nous aurons des constitutions qui nous permettent de sauvegarder le pouvoir du peuple à pouvoir choisir, qu'on ne nous les confusque pas à travers des élections truquées, qu'un militaire ne surgisse pas de nulle part pour prendre le pouvoir en disant « le président actuel menace la démocratie », alors que le président qui est en place
ne peut pas être élu sans que nous l'ayons choisi. Et que, par exemple, pour les questions que nous avons parlé de souveraineté, il y a un rôle important de l'ingérence extérieure. On ne l'a pas dit. On a des précarés français, des précarés anglo-saxons, et nous savons tous qu'un dictateur qui a pris le pouvoir pour le compte d'une puissance étrangère peut être considéré comme démocrate, alors que quelqu'un d'autre qui a été élu démocratiquement peut être combattu tout simplement parce qu'il n'entre pas dans la politique de ces puissances étrangères. Et tout ça part de la conscience de la population. Et nous, nous sommes l'intermédiaire pour pouvoir définir ce succès, comme vous l'avez dit. Quel est le succès? Quels sont les indices de succès que nous voulons voir atteindre dans les prochaines années pour nous dire que nous sommes en train de réaliser davantage la souveraineté de la population? Je reviens donc à M. Kawanda qui va prendre la parole pour répondre à ces différentes questions. Et ensuite, Mme Nerima aussi va essayer de répondre. Et s'il vous plaît, soyez encore plus concret comme vous l'avez été tout à l'heure pour qu'à l'issue de ces échanges, on soit en mesure de travailler ensemble pour atteindre ces objectifs. 5 minutes chacun, si vous le permettez. Thank you. I think for me, I'll just jump straight into the constitution. Alors, moi, je vais aller directement dans la constitution. Je voudrais juste réitérer, les choses ne sont pas aussi mauvaises que ça. Mais je pourrais sentir ce qui nous a dérangé, ce qui nous fait mal. Je suis peut-être tenu là devant quelqu'un qui a 17 ans. Je devais commencer de nulle part pour voir comment ça s'est passé avec le multipartisme. Beaucoup d'entre vous ont observé les élections au Kenya avec cette tension qui s'est produite. C'était bizarre, c'était pas embarrassant, mais on avait toujours cette essence de se voir avec, regarder cette dictature, voir comment les choses étaient progressives. Ce qu'on ne peut pas perdre, c'est le fait que chaque citoyen a le droit de faire des pétitions à la cour. Parce que nous avons vu les cas à la cause être abandonnés. C'est un challenge pour les gens comme nous, un défi. Dépendamment de la juridiction, en fait, le pouvoir judiciaire. Alors, c'est ce que le pouvoir judiciaire fait et tout ça en contrôlant, en restant, observant les choses. Mais quand nous parlons de la jeunesse qui vote, c'est bon, c'est bien. C'est très bien. La jeunesse a voté Trump. Vous partez voter, mais vous aurez les déchets que vous mettez sur le gouvernement. Mais c'est de ça qu'il faut s'inquiéter, parce que les jeunes disent que le choix qu'ils ont sont mauvais. Laissez-moi prendre le meilleur des pires. C'est là où nous sommes. Je pense que nous devons commencer à faire changer, bouger cette conversation. Je travaille dans la communauté, dans les milieux ruraux. Il y a des signes d'espoir et les jeunes gens s'engagent, mais il y a aussi des cas de sécurité. Les gens disparaissent. Et quand vous voyez un gouvernement qui ne veut pas être responsable, nous devons nous lever nous-mêmes pour les protéger. En conclusion, pour dire, c'est qu'il y a un changement qui arrive devant nos yeux. Et c'est un moment. Et ne manque pas, si vous ne reconnaissez pas que la population majoritaire de notre nation sont encore en train de traînailler dans l'ignorance, si on regarde les problèmes de progression, si nous ne pouvons pas répondre à cela, nous perdons beaucoup de temps ici. Thank you very much, merci beaucoup. Alors, construisant de là, je serai bref par rapport au temps que nous avons. So I'll pick first, I think, je vais d'abord prendre la dimension de l'armée. It is a real risk c'est that, un réel risque que nous avons les militaires jouent un rôle primordial. Cela peut être étendu pour un long moment. Vous avez vu ce qui s'est passé au Myanmar, où le pouvoir autoritaire là-bas a prolongé
étaler encore et encore, particulièrement quand vous avez des ressources que les militaires sont en mesure de gérer. Alors, il y a un danger ici. Je pense que c'est là où ça compte vraiment, que pour nous d'être équivoque en termes de la démocratie en soi. Parce que quand vous avez cette sorte de coup au Zimbabwe en 2017, les militaires ont mobilisé les personnes ordinaires pour se tenir avec eux et dire « nous changeons l'état de la cour des événements ». Vous allez voir que vous ne savez pas quand vous allez vous demander comment ça va se produire, mais le fait que les gens s'engagent avec l'armée sans être critiques, ça démontre que nous n'avons pas fait le travail ou le devoir durant des années par rapport au constitutionnalisme où les gens seront sceptiques par rapport à la prise de pouvoir par l'armée. Donc la démocratie en soi, ça compte, c'est comme une valeur, mais ça doit produire des fruits. En effet, nous devons aller au-delà de Lusaka, Bamburu, où il y avait eu ce cadre-là. J'ai dit que c'est bien, c'était très bien. Nous avons eu HH en Zambie, c'était un très bon résultat. Parfois, on va voir. Pour voir si c'est durable ou si c'est en mesure de faire les challenges qu'il rencontre en termes de négocier avec les autres. Donc, ce sont les différentes questions, mais en première position, nous avons d'abord une chance de combat. On ne devrait pas le prendre comme étant acquis. Mais avec cette situation de l'armée, essayons de continuer à voir comment cette situation de la démocratie doit faire. Il y a des alternatives. Je ne veux pas être irrespectueux pour dire que non. Là, il y a les grands-parents avaient pris les terres, vous avez faux, défié les grands, vous avez battu les grands-parents et tout ça. Alors, il faut savoir faire un choix. Assurons-nous que la démocratie fonctionne en la mariant, en la conjuguant dans la lutte pour la justice économique. Nous allons le faire de manière pratique. Je pense que le prochain baraza que nous planifions, nous aurons des conversations sur librement sur les mouvements constitutionnels et les mouvements sociaux et sur tous les problèmes évalués sur lesquels nous travaillons. Et comme nous travaillons sur les élections qui vont à venir, comment nous allons manifester for scrutinizing the actions sur of our leaders, of the candidates that are arriving, voir comment les scrutins vont se passer avec les leaders. Ça ne sera pas seulement sur les civils et tout ça, mais ça sera aussi sur la liberté économique, pas seulement sur la liberté civile. La même façon qu'on s'est dit, comment vous pouvez faire pour garder cela? C'est très bien que ça s'est lié à certaines évolutions. Ça prend un sens. Il faudrait qu'il y ait des comptes pour dire qu'il y a quelque chose qui fonctionne quelque part. À la haute cour, il y a eu des approches valeurs. Le constitutionnalisme et la démocratie comptent, mais il faudrait que ça puisse produire de fruits. Et il y a encore quelque chose que je vais tacler ici. C'est quelque chose qui arrive souvent. How do we deal with solidarity? Comment nous gérons le traitement, comment on s'y prend par rapport à la solidarité, questions of abortion, les questions sur l'avortement, etc. La solidarité compte dans tous ces contextes, pas seulement pour les hommes, mais même pour les mamans, au-delà de nos limites. On peut se donner, nous, entre Africains, la solidarité, mais au-delà des bords, de nos frontières, ça compte aussi. Mais il y a des réflexions sur lesquelles nous devons penser. Il y a Hélène et Evangeliste qui a parlé le matin, où on parlait de how funders fund and comment what funders les bailleurs de fonds financent. But all that is within the realm of solidarity. So I think one of the things that we can strengthen dans le social movements la plateforme is to be more sophisticated about how solidarité actually works. Because c'est pour voir comment ça fonctionne. So je l'ai dit souvent. Myself, je suis né au Zimbabwe. I don't identify with je the looting, m'identifie pas lying, au pillage, au mensonge, Mnangagwa. Nangagwa. Right? C'est vrai qu'il a une peau noire comme moi. Comparé à là où moi je m'identifie, who might wear a white skin, qui pourrait être un blanc, qui est dans la Gallopolis, qui gagne $10
comme enseignant chaque mois pour soutenir la vie de la Amnesty International ou de Oxfam où je travaille. Dire que, chers amis, il y a l'inondation au Pakistan, qu'est-ce qu'on doit faire? Je pense que cette personne est un être humain qui donne beaucoup plus de solidarité à moi. Je ne peux pas comparer à Mnangagwa parce que Mnangagwa est noir comme moi. Non, donc, je vais beaucoup donner ma solidarité à cette personne-là et respecter Mnangagwa. Voilà, merci. Merci beaucoup. On va prendre la pause et merci pour votre participation. Okay, everybody. So, thank you. Merci. Est-ce qu'on peut encore acclamer? Okay, we're coming back. Nous allons revenir.